Bonsoir. Bonsoir. Alors, dès le début du roman, vous dites en guise d'avertissement, ceci est un roman, il ne faut pas le lire autrement, tous les personnages de ce livre sont purement imaginaires, sauf l'amour, le cancer et moi-même. Et alors moi, j'ai l'impression que ça met dans la confusion le lecteur, puisque le cancer, vous-même et le livre, finalement, c'est la totalité du livre. Et tout comme les sentiments que vous éprouvez, ils sont censés être réels. Et alors, je me pose une question, est-ce que Isabella, par exemple, a existé dans votre vie, mais sous un autre nom ? Non. Isabella, c'est la personne qui fait chavirer le cœur du personnage. Pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'on peut dire dans ce livre, à la limite, tout ce que je raconte m'est arrivé. Hein. Ça pourrait être un récit. En même temps, non, parce que j'ai toujours une gêne par rapport à l'autofiction. Vous savez ce qu'on appelle l'autofiction, c'est ces écrivains qui font des romans ou des livres à propos de leur vie. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, on prend en otage des proches, des parents, des amis, et souvent c'est un ex d'ailleurs, hein, c'est un certain nombre de femmes d'ailleurs qui écrivent des livres souvent d'ailleurs excellents, qui racontent leurs histoires d'amour en général, souvent au détriment du type en question. Et inversement, parce qu'il y a des hommes aussi qui racontent leurs histoires d'amour avec des femmes, et c'est pas forcément très gentil. Et moi, j'ai pas voulu prendre en otage mes proches, mes ex, mes amours, mes grands amours, mes enfants. Donc là, on est plus dans la fiction. Alors évidemment, je vais pas dire le contraire. Il y a que des détails vrais tout le temps. C'est-à-dire que je mélange tout, simplement, personne n'est reconnaissable. Tout ce qui, vous voyez, dans ce livre, tout ça m'est arrivé, en même temps, tout est mélangé, et rien n'est reconnaissable, sauf moi. C'est vrai que moi, je me suis exposé dans ce roman parce que le personnage principal, Antoine Bratsock, même si c'est pas moi à chaque moment, me ressemble énormément. Mais vous savez, c'est la caractéristique de tous les romans. Les romans, moi, c'est pas mon premier roman quand même, j'en ai écrit quand même un paquet. Et je mets toujours des choses très personnel à l'intérieur des romans. C'est pour ça que le roman, d'ailleurs, c'est pas comme un récit ou un livre politique, etc. Vous êtes vraiment, vous êtes presque nu, vous êtes très fragile, vous en parlez mal, vous vous sentez faible comme ça, voyez. Alors, cet Antoine qui ressemble à vous multiplie les conquêtes, les femmes, les enfants aussi. Il est salaud avec les femmes. Est-ce que vous êtes salaud avec les femmes ? Non, c'est pas l'histoire d'être salaud avec les femmes. J'essaye toujours de bien me comporter. Des maîtresses, mais il est comme beaucoup d'hommes. Il est lâche, faible. Il est pas cynique. Ouais. Au contraire, c'est un grand amoureux. Mais en même temps, il sait pas rompre. Donc il est lâche. Qui est ce sexe qui le guide finalement ? Ouais, absolument. Vous avez raison. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le livre, je vois, parce que je reçois beaucoup de lettres, et je vois des lettres de femmes comme qui s'amusent, qui rient par exemple, et qui se sentent vengées. Les hommes, eux, certains d'entre eux, j'ai même reçu sur des lettres d'hommes, j'ai reçu deux lettres d'insultes, ça m'a frappé, parce que je donne une image de l'homme qui n'est pas géniale, quoi. Et moi, c'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que je me vois, c'est comme ça qu'un certain nombre d'amis proches me voient ou se voient eux-mêmes. Et disons, j'essaie d'écrire des choses qu'on n'écrit pas d'habitude sur l'homme. Et les femmes, justement, elles sont très différentes. Parce que, regardez la femme, d'ailleurs, comme elle tranche quand elle rompt. Une femme, elle rompt. Évidemment, elle souffre de la rupture comme n'importe quel homme. Mais elle rompt beaucoup plus franchement et beaucoup plus courageusement. Un homme, il passe son temps à biaiser, il rase les murs. Il essaye d'accumuler, il essaye de garder une tout en contentant l'autre, et puis à la limite il y en a encore une troisième, et vous voyez, il amasse. Donc c'est une part du portrait d'Antoine Bratsock. Il y a l'autre côté, un côté beaucoup plus sombre. Vous décrivez les conséquences du cancer de la prostate de façon très légère, mais en même temps très noire. Vos fuites urinaires notamment, que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a aussi toutes les tentatives pour revenir à une vie sexuelle après avoir été traité du cancer. Ce portrait que vous faites de vous, je pense, il est quand même pas très élogieux, entre guillemets. Pourquoi être aussi dur ? Pourquoi dépeindre les choses comme ça, en fait ? D'abord, je ne crois pas qu'on ait écrit un roman comme un très grand amour. Je ne me suis pas mis un jour à ma table de travail en disant, voilà, je vais faire ça dans mon plan de carrière pour améliorer mon image, etc. Bon, on écrit un livre parce que, d'abord, c'est beaucoup de ce que je raconte dans le livre, évidemment, m'est arrivé. Puis un jour, il y a une rupture amoureuse un peu plus forte et qui est arrivée après un cancer. Et je me suis dit, mais
quel bon livre ça ferait, parce que chez chaque romancier, comme chez chaque journaliste d'ailleurs, mais chez chaque romancier, il y a un prédateur. Non, c'est un prédateur, c'est-à-dire c'est une belle histoire, je vais en faire une histoire. Donc après, je construis une histoire. Et en veillant bien d'ailleurs à ne pas, mettre en danger ou blesser la personne en question, parce que c'est si quelqu'un a fauté, c'est moi. Je me suis fait minable, effectivement, dans le livre, mais pas avec l'idée d'ailleurs. Je ne suis pas dans la plainte quand je raconte ce cancer, c'est quoi? Regardez l'histoire, c'est tout simple. C'est quelqu'un qui tombe amoureux comme ça régulièrement, qui a un cœur d'artichaut comme beaucoup d'hommes, et puis qui accumule, voilà, alors il accumule les femmes, il en est à sa cinquième. Moi, je ne me suis pas marié 5 fois, je suis marié 2 fois, mais enfin, c'est vrai qu'objectivement, j'ai eu 5 femmes, et j'ai eu des enfants de différents lits, etc. Puis un jour, il y a un énorme coup de foudre. Il en a eu d'avant déjà des coups de foudre, Et avec une femme beaucoup plus jeune que lui, il va construire une sorte de gratte-ciel fusionnel complètement dingue, parce qu'il y a beaucoup de romantisme chez ce Antoine Bradstock, comme chez moi, comme chez tous les hommes, même quand il se comporte mal. Et puis, il va y avoir un petit grain de sable. Ce petit grain de sable, c'est le cancer, qui, à mon avis, qui est plus un révélateur qu'une cause. Et le gratte-ciel fusionnel qu'il a construit avec cette femme, qu'il aimait tant, va s'effondrer du jour au lendemain. Et c'est ça, cette histoire-là. C'est une histoire qui arrive, je vois au nombre de lettres que je reçois, qui est incroyable, c'est une histoire qui arrive souvent, et qui arrivera encore souvent. Et je raconte ça du point de vue d'un homme, mais c'est vrai, sans l'idéaliser. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je peux pas m'idéaliser. Je suis pas, dans ce sens-là, je suis peut-être pas une vedette de la télé. C'est pas un livre de vedette de la télé qui raconte ses malheurs ou à quel point il était formidable. C'est le livre d'un écrivain, d'un romancier qui raconte une histoire. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais cet entretien est terminé. Merci beaucoup d'être venu nous voir.